Bonjour tout le monde. Eh bien c'est parti, la semaine a commencé sur les chapeaux de roue de mon côté. Peut-être pareil pour vous, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir ce moment, la chance d'avoir ce temps-là avec vous. Ça me manque toujours très rapidement quand je ne peux pas vous retrouver. C'est vraiment important pour moi d'avoir ces moments si précieux. Alors, c'est pas gagné pour moi de mon côté aujourd'hui. Donc, j'espère que je n'aurai pas trop d'interruptions, mais je préfère vous prévenir parce que c'est pas impossible. Voilà. Quoi qu'il en soit, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que, une nouvelle fois, quoi, tout va bien. Vraiment le mieux possible pour vous. Que cette semaine s'annonce sous les meilleurs auspices. On va voir ensemble quels sont les messages, les ressentis, tout ce qui a été transmis depuis la dernière guidance. Mais comme toujours, je vais d'abord vous remercier. Et je vais commencer, pour changer un tout petit peu, enfin c'est léger changement, par dire, souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Nous sommes de plus en plus nombreux et voir la communauté, notre communauté grandir ainsi, c'est vraiment une merveilleuse récompense pour moi et pour chacun d'entre vous. Parce que nous pouvons à chaque instant invoquer cette énergie magnifique qui est créée par toutes ces connexions très positives, pleines de générosité entre nous via la chaîne qui n'est, comme toujours, je vous le dis toujours, qu'un point de départ. Et c'est vous qui construisez, qui faites tout le reste. Donc voilà, merci infiniment à tous les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints et à tous mes abonnés du début qui me soutiennent tellement, qui me touchent tellement par vos partages, vos messages. Merci vraiment beaucoup. Merci évidemment à toutes les personnes qui font des dons à la chaîne et qui me donnent l'opportunité d'avoir ce temps-là. C'est des cadeaux, ça aussi, de toute façon. Parce que on nous offre, vous nous offrez ce temps qui est tellement important. Donc merci de tout mon cœur pour tout ça, pour les likes, les partages, les créations, les magnifiques messages tellement touchants que vous m'envoyez, les conversations que l'on peut avoir ensemble aussi qui nous poussent à évoluer. Pas seul, jamais. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est pour évoluer ensemble, se soutenir, se protéger aussi mutuellement grâce à un espace comme celui-ci. Et c'est beaucoup plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer, je vous assure. Voilà, donc merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez. Cette générosité vraiment me touche profondément. Tout ce que vous m'apportez, tout ce que vous m'apprenez. Vraiment. Voilà. Et puis, comme toujours, je vais également vous demander d'être extrêmement vigilant sur ce que vous ressentez quand vous m'écoutez pour pouvoir très facilement distinguer ce qui vous est destiné, ce qui est personnel de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que soit vous avez des réactions émotionnelles et physiques très forte, impossible à maîtriser, contrôler, soit ce sont, donc dans ces cas-là, vous considérez que le message vous est destiné en dehors d'une situation, enfin de ce type de réaction, vous pouvez évidemment, vous recevez bien sûr les messages, les énergies, mais ne considérez pas que ils sont personnels. Voilà, ils peuvent vous servir à des tas de niveaux différents, dans vos compréhensions, votre évolution, mais ne considérez pas que c'est personnel, que c'est vraiment pour vous, dédié. Voilà, il faut être très très attentif, prendre beaucoup de recul et surtout n'écouter que votre cœur. Laissez-vous vraiment guider par vos intuitions profondes. Ne cherchez absolument pas à adapter à votre réalité. Parce que parfois même, ça n'aura rien à voir avec votre réalité du moment, mais pourtant, ça va vous toucher profondément. Et vous comprendrez, laissez les choses venir, décanter, faire leur chemin.
vous comprendrez dans le temps, naturellement, il n'y a rien à forcer, ça vient tout seul. Et vous verrez, quand on est vraiment connecté comme ça, ces intuitions profondes, ça arrive beaucoup plus souvent que vous pouvez vous en douter, en fait, des choses qui sont pas en rapport direct avec la réalité, votre vie quotidienne, et qui, si 2 jours, 3 jours, quelques semaines, parfois même beaucoup plus longtemps, vont vous amener toutes les compréhensions dont vous avez besoin au moment où les choses se passent dans votre vie. Donc, et entre-temps, ça vous aura guidé, de manière consciente ou non, vers un certain nombre d'informations qui sont précieuses pour vous. Donc, recevez vraiment en étant complètement ouvert à vos intuitions profondes. Voilà, ça ne fonctionne en tous les cas pour moi que de cette manière-là. Tout le reste, évidemment, a son importance, mais elle est moindre. Ou en tous les cas, elle n'est pas immédiate. Et puis, les symboliques, évidemment, peuvent parler à n'importe quel moment, parfois très longtemps après. Et elles vont rester de toute façon dans votre esprit. C'est magique, hein. Donc laissez juste les choses se faire en fait, mais en étant totalement, il faut une ouverture du cœur totale, que rien ne vienne interférer la réception des messages pour clairement identifier ce qui vous est destiné de ce qui ne l'est pas. Ça demande parfois du temps pour que ça fonctionne bien, et mais toujours beaucoup de vigilance, hein, que ce soit pour moi ou pour vous, il faut être très attentif. Ne rien, absolument rien laisser interférer dans votre entourage, ni le mental pour vous-même. Voilà. La seule chose pour laquelle je vous dis toujours d'adapter, c'est quand on parle de polarité féminine ou masculine dominante. Parce que là, vous êtes les seuls à pouvoir le savoir. Et je le répète, il s'agit donc de guidance intemporel, quel que soit le moment où vous m'écoutez, vous écoutez cette vidéo. Si vous avez des messages qui résonnent profondément en vous, et vraiment profondément, c'est-à-dire que c'est tellement profond que vous ne pouvez pas contrôler, et le mental ne pourra pas contrôler, la plupart du temps vous n'expliquerez pas, et les réactions, elles se produisent généralement quelques secondes avant les messages. Donc vraiment, voilà, soyez extrêmement, extrêmement attentifs. Donc quel que soit le moment, mes guidances sont intemporelles, donc ça peut vous parler, même parfois plusieurs fois, des guidances, des vidéos. Moi, j'ai beaucoup de témoignages comme ça de personnes qui me disent, je suis retombée sur une des vidéos de la chaîne, et j'ai eu, parce que c'est 6 mois après, parce que des compréhensions complètement beaucoup plus puissantes que la première fois, ou l'inverse même, parce que voilà, ça marche comme ça. Si vous tombez dessus, si vous arrivez là, ça n'est pas par hasard, jamais. Mais il faut être très très précis, vigilant sur le tri un peu, hein, voilà, des différents niveaux de lecture que vous aurez, des messages, pardon. Il y a des choses qui... Il y a des rebondissements, là. Des messages qui sont transmis. De faire... de bien les identifier. Précisément. Ce qui est pour vous, ce qui est dans de la symbolique, ce qui concerne plus un entourage. Et puis, vous pouvez tout simplement également bénéficier des énergies... sacrées qui sont transmises via les guidances de guérison. Merci mes guides. Alors, on va commencer. On reparle d'une notion de et c'est assez récurrent depuis... oui, c'est depuis la dernière guidance, hein, de quelque chose, d'une personne qui va recevoir un avertissement. Alors, bon, j'aime pas trop, hein, c'est pas très agréable ce
Parce que là, c'est un avertissement qui est fort, je pense, que cette personne va recevoir. Alors, en fonction de vos contextes de vie, hein, un avertissement, ça peut être quelque chose d'assez, de pas trop grave, comme d'un peu plus grave en fonction. Mais derrière cet avertissement, on me parle d'un vœu exaucé. C'est-à-dire que c'est un avertissement qui va rappeler à la personne qui sera concernée l'importance de la vie, d'être en vie et des priorités, de ce qui est essentiel dans la vie. Et là, c'est une personne qui va comprendre, c'est quelqu'un qui va réaliser qu'il ou elle s'est mis des limites tout seul, toute seule, dans la vie. Et qui va être, c'est quelqu'un qui va être assez en colère contre lui-même, contre elle-même d'avoir agi ainsi. Mais vraiment, ce qui est sûr, c'est qu'on parle d'abord d'un avertissement concernant quelqu'un. Presque quelqu'un qui persiste et signe dans la mauvaise voie, on me dit. Tout en regardant ailleurs. C'est assez contradictoire. Mais voilà. Et donc, voilà, je suis pas. Comme clairement, on m'a quand même donné des indications, pour certaines personnes, ça pourrait être en rapport avec la santé. Hein. Il n'y a rien de grave, mais c'est un avertissement sérieux qui rappelle à cette personne qu'il ou elle est en vie. Et de se poser la question de ce que cette personne fait de sa vie, justement. Sa vie, à chaque seconde, pas de ce qu'il ou elle a dans la vie. Il y a quelque chose en rapport avec revenir à l'essentiel, dans la vie, de la vie. Cet avertissement est là pour ça. Parce qu'ensuite, on m'a montré en visuel justement la carte de l'oracle de Béline, de la maladie, mais à l'envers. C'est-à-dire quand tout est résolu, quand on sort d'une mauvaise vie. C'est assez. Voilà. En tous les cas, le côté avertissement, il m'a un petit peu. Il était un petit peu. Ça fait un peu peur quand on a des messages comme cela. Mais vous savez que je. Voilà, on nous demande de transmettre des choses que quand elles sont. De toute façon, nous mènent vers le positif. Hein. Pas des choses. Même si le premier aspect peut paraître anxiogène, c'est pas là pour ça, c'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est vraiment parce que certaines personnes ont besoin c'est comme ouais, de ce type d'avertissement dans la vie pour comprendre quel est leur chemin. Et après, je pense sincèrement qu'on est tous amenés à vivre des situations comme celle-ci, plusieurs fois dans une vie, et même voilà, hein, de manière différente, parce que pour certains, on va comprendre au moindre indice, au moindre détail, et pour d'autres, moins facilement. C'est comme ça. Donc effectivement, ça peut être un avertissement physique, émotionnel, ou un événement, mais vraiment j'ai eu quand même une notion, j'ai eu une notion de santé dans tout ça, moi. Donc, et ça me suit, hein, y a pas mal de choses comme ça en ce moment. Donc, il n'y a pas de hasard, ça va concerner certains d'entre vous. Ça peut être évidemment également une question d'emprise, et on va parler de jalousie également. Ensuite, je sais que c'est positif, même si le premier abord, ça ne l'est pas. Au premier abord, pardon, ça ne l'est pas.
Parce qu'ensuite, on m'a montré une. J'ai eu, alors, mais des heures miroirs, j'ai eu énormément de synchronicité. Énormément de synchronicité. On m'a parlé de flamme éternelle. On m'a parlé de. Et c'est cette heure miroir dont je dois parler aujourd'hui, le 17h17, où on nous dit que vous allez avoir beaucoup de chance. Surtout, on me parle d'une amélioration dans la vie professionnelle et amoureuse, de protection, de. Il y a un vœu exaucé, un souhait exaucé, quelque chose de vraiment très, très attendu. Et de savoir transmettre l'espérance autour de vous. Cette capacité à garder, à toujours conserver une foi, toujours croire que tout est possible et que tout, que le meilleur est à venir. C'est ça. Et puis, il y a également, ben, je ne sais pas pourquoi on m'a dit avec cette. Cette heure miroir qui a été vraiment très présente, vous allez vous retrouver, vous allez dépasser, il y a quelque chose qui triomphe de la jalousie. C'est un triomphe sur la jalousie de personnes qui ont dépassé les limites. Il y a beaucoup de choses en rapport avec les limites dépassées. À la fois d'une personne par rapport à vous, qui quelqu'un qui sait qui il ou elle a dépassé les limites, ou l'inverse, c'est vous qui, peut-être vous, vous vous dites je sais que j'ai dépassé les limites et vous ne savez plus comment faire par rapport à quelqu'un. Il y a vraiment beaucoup de choses en rapport avec ça. Alors, autre chose également, on m'a beaucoup parlé de. De la numérologie liée aux 4 et aux 40. Donc, pas de manière, c'est pas comme d'habitude. Et donc là, il s'agit d'engagement. D'un engagement qui peut prendre fin pour laisser place à un nouvel engagement, pardon. Ou d'un âge, peut-être. Pour certaines personnes, ce sera un indice particulier par rapport à cette vidéo. 40 ans, ou une célébration, 40 ans de quelque chose, ça peut être plein de choses, hein. Un anniversaire, mais pas forcément d'une personne, hein, d'une situation, j'en sais rien, à vous de voir, mais c'est lié à la notion symbolique d'engagement. Mais là, pareil, on m'a donné des indications d'avertissement, c'est-à-dire que c'est. Il y a une face très positive de très bonnes nouvelles, on parle de très beaux échanges, d'une communication qui sera un cadeau, mais avant, il y a un avertissement. Peut-être même un test. Un test par rapport à vraiment. Alors, avertissement ou test, c'est-à-dire que pour vous, par exemple, ça peut être un test qui va vous demander de vous de confirmer votre choix de vie. Vous avez peut-être complètement changé de vie. Ou vous êtes peut-être en train de le faire. Et pour être certain, certaine, pour continuer à y croire parfois, on a besoin de se confronter. À des choix et on s'en rend pas forcément compte et c'est là que l'univers intervient pour vous mettre dans des situations où justement vous auriez peut-être le choix de revenir à une vie qui ressemblerait à celle du passé par exemple ou à autre chose que ce que vous avez entrepris et ce test il est là aussi pour
vous renforcer dans la direction que vous avez prise. Et c'est important parce que ça permet de... Il y a ça aussi avec leur miroir 17h17, comme message transmis, associé, c'est la confiance. Confiance en soi, oui, vous êtes sur le bon chemin. Et ces situations qui peuvent vous obliger à vous redemander si, mais est-ce que j'ai bien fait? Parce que, ben, voilà, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on a tout changé dans nos vies, ou presque. Et parfois, il y a l'ancienne vie qui revient pour vous faire comme ça, des moments de... Alors, c'est peut-être des tests, hein, si vous doutez. Mais voilà, quand on commence à être bien aligné, les doutes ne sont pas vraiment là, c'est une sensation. Et c'est aussi de se poser la question de savoir, de bien comparer dans quel état vous étiez au moment où vous étiez dans cette ancienne vie et dans quel état vous êtes aujourd'hui. Individuel par rapport mais vraiment c'est comme se dire bon si j'avais quelque chose pour mesurer mon bien-être, mesurer mon état de santé, mon bonheur, la qualité de mes relations, et que je faisais voilà, vous mesurez tout et puis vous vous demandez, vous faites la même chose, vous essayez de comparer ça avec comment c'était par le passé. Et voilà, ben, il y a des situations comme ça, des contextes qui vous laissent pas le choix et qui vous obligent à le faire. Et c'est pas forcément agréable, hein, parce que retourner dans le passé quand on est très, quand on aime bien être toujours devant dans l'avenir, c'est bon, ça dépend, hein, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est pas évident. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'issue de ce genre d'exercice, on est toujours encore plus confiant qu'on ne l'était avant. Et on n'a pas le moindre doute sur ses choix. On se rappelle justement toutes les situations qui ont dépassé les bornes et les limites dans une vie, dans certaines choses qu'on a laissées derrière soi, pourquoi on l'a fait. Et c'est toujours très utile. Enfin là, on me le montre comme quelque chose qui va arriver, qui est en cours dans les jours qui viennent et qui est très utile. Et le fait de réussir le test, hein, parce que voilà, c'est avec vous-même que vous faites ça, mais c'est un contexte que l'univers provoque un peu pour vous montrer que vous êtes en accord avec vous-même complètement et que les choses ne peuvent plus revenir en arrière. Donc, parce que parfois on a cette peur que quelque chose vienne tout de nouveau déstabiliser et nous oblige à revenir en arrière, et bien ça c'est pour vous montrer aussi qu'à un certain stade d'évolution, il n'y a plus besoin d'avoir peur de ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ça ne se produira pas. Vous pouvez rester, on peut rester confiant, vous pouvez rester confiant. La suite sera encore plus. Voilà, sera encore plus belle que ce que vous imaginez. Pas forcément, tout n'est pas facile pour arriver à des choses magnifiques, mais voilà. Alors que ce que vous avez laissé derrière vous, il n'y avait plus de promesses. Elle n'était qu'illusion. En tous les cas, c'est de ça dont on me parle aujourd'hui. Ça, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vraiment. Et revenir en arrière, il n'y en aurait pas plus, en fait. Ce serait vraiment. Ouais, comme me disent mes guides, régressif. Et. C'est important, hein, de prendre conscience de tout ça. Quand ça se produit, quand on est face à des tests, à des situations qui, l'espace d'un instant, vont vous
obliger à, voilà, confirmer, à vous confirmer à vous-même que vous avez pris la bonne direction. Parce que c'est comme... ce sont des remises en question petites, hein. Il ne s'agit pas, quand on a déjà fait un grand chemin comme celui-ci, comme pour beaucoup d'entre vous. Ah oui, en plus là, il y a quelque chose en rapport, hein, dans ce message avec la personne, des synchronicités en rapport avec la personne de votre cœur, qui pourrait vous faire, vous donner cette sensation que des hasards un petit peu gênants, comme si ce passé, il y a un passé avec la personne à laquelle vous êtes lié, peut-être revient comme ça par des informations, des messages dans votre vie. C'est un peu des tests, c'est-à-dire que vous, voilà, oui. Ce qu'on me montre, c'est que peut-être vous allez recevoir des messages ou des propositions de personnes qui sont en lien avec la personne à laquelle vous pensez au moment où vous m'écoutez. Propositions, des choses plutôt professionnelles. Ça, et c'est pour ça qu'on me parle de choses qui, de situations qui nous obligent à confirmer nos choix de vie. C'est un peu, et de l'autre côté, j'ai un avertissement. C'est comme si on avait une confirmation et un avertissement qui. Dans une relation, c'est-à-dire que et tout et les deux concernent le choix de vie finalement, ce qui est essentiel dans la vie, dans les choix qu'on fait pour la suite, pour oui, c'est ça. Bon, écoutez, on va approfondir un petit peu. On va approfondir tout ça. J'ai un nouvel oracle. Je suis très contente de l'essayer avec vous. On parle d'une triangulaire là. Bon, on va voir de quoi il s'agit. D'une triangulaire dont vous n'avez pas forcément conscience. Ou qui n'est pas comme si c'était quelque chose de pas affirmé, on me dit. Tout est oui, elle n'est pas affirmée, elle n'est pas. C'est-à-dire que tout le monde fait comme si elle n'existait pas, alors qu'au contraire, c'est quelque chose de. De très toxique. Oui, c'est ça. C'est comme si les apparences montraient que tout était parfait. Au niveau des relations, tout allait très bien. Alors qu'il y a une triangulaire toxique, mais de votre côté ou l'inverse, eh bien du coup, vous n'en avez pas. Pour vous, elle n'existe pas vraiment. C'est pas que vous n'en avez pas conscience, parce que je vois que vous savez, les personnes qui sont très jalouses et qui ont qui se sont mêlées
de la relation que vous avez avec cette personne. Qui n'ont pas supporté votre connexion, votre lien. Oui, mais alors voilà, c'est ça. C'est que c'est des personnes qui n'ont pas supporté, qui se sont mêlées de cette relation, mais en faisant croire le contraire. Par pure jalousie, hein, et qui vous ont toujours montré le contraire. Alors que, c'est-à-dire des personnes qui vous faisaient croire sans doute que, même c'est pas sans doute, hein, que c'était des personnes très, très gentilles avec vous, alors que c'est des personnes qui agissaient et parlaient dans votre dos. Mais vraiment, la jalousie, de toute façon, ça n'a pas de limite. Hein. Donc là, j'ai beaucoup trop de cartes. Merci mes guides, je prends que la première. C'est fou. Merci infiniment, Maggie, pour ça. C'est magique. Regardez. J'ai le 17h. 17. C'est un miroir qui me suit non-stop. La carte de la maladie de l'oracle de Béline, si je ne me trompe pas, c'est également le 17. Elle m'a été envoyée à l'envers, c'est-à-dire qu'on me dit bien qu'il est question d'un avertissement. Et pour certains, ce sera une question de santé. Hein. Mais que c'est une grande chance, cet avertissement. Et là, on nous parle bien de cette chance, de cette magie que peut provoquer l'univers dans le cœur d'une personne en frappant une personne. Oui, alors peut-être qui va peut-être avoir quelque chose de désagréable là, mais cet événement, hein, qui peut être en rapport avec la santé désagréable, va illuminer cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui va se rappeler qu'il ou elle est en vie. Comme si il ou elle avait totalement oublié la valeur de sa propre vie. Il y a quelque chose comme ça. On me montre une personne qui... On m'a beaucoup parlé de loyauté aussi. De loyauté. D'une part, dans un lien, c'est-à-dire qu'il y a un lien d'amour entre vous, donc là ça m'est redonné, hein, dans lequel il y a énormément de loyauté, mais ça a été déséquilibré. C'est-à-dire que vous n'avez pas exprimé cette loyauté au même moment, de la même manière. Et donc, il n'y a pas eu cet équilibre dans la relation par rapport à la loyauté. Donc c'est toujours pareil, hein, quand dans la loyauté, il y a un déséquilibre, quand une personne est plus loyale que l'autre. Eh bien, c'est toujours quelque chose qui va au conflit parce que l'autre personne peut être blessante sans même s'en rendre compte parce qu'elle n'a pas mis la relation sur au même niveau d'exigence en fait. Et c'est ça dont on me parle. Et là, c'est vraiment quelqu'un, cette personne-là qu'on veut avertir. Hein, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'est perdu. Vous, vous êtes perdu à un moment donné dans une... Parce que la loyauté, c'est juste exceptionnel et merveilleux.
Sauf que quand on ne pose pas de limite à cela, ça devient sacrificiel, voire même dur. On peut parler de fantasmes, on peut parler de choses qui deviennent très négatives, très toxiques, et on peut se perdre là-dedans, dans une loyauté sans limite, justement. Donc c'est pour ça qu'on parlait de sans limite, c'est-à-dire que je pense que vous avez été dans une loyauté sans limite par rapport à la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, qui est dans votre cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Et là, on me le dit bien au passé. Oui, qui a beaucoup compté pour vous, qui compte encore beaucoup pour vous, mais aujourd'hui, de votre côté, vous avez posé des limites à cette loyauté, pratiquement du jour au lendemain, je pense, parce que cette autre personne de l'autre côté ne respectait plus. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne se respecte pas, qui s'oublie, se perd, et qui, lui, au contraire, ou elle, est dans une loyauté par rapport à un héritage familial. Quelque chose qui, dans lequel cette personne se perd, s'oublie. Comme une compétition sans fin d'être le premier. On dirait une personne qui n'a pas reçu l'attention qu'il ou elle aurait méritée dans son enfance et qui, depuis, cherche être premier de la classe. L'attention d'une famille pour, enfin, et du coup, c'est une course-poursuite à la compétition pour être toujours, je sais pas, il y a le premier, oui, le premier dans cette famille, dans cette communauté, dans. La personne qui décide pour ne plus jamais avoir à subir le manque d'attention. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, d'une personne qui s'est forgée une espèce de carapace, de mode de fonctionnement pour ne plus jamais avoir à subir ce manque d'attention. C'est presque, je pense, de l'abandon, voire du rejet. Enfin, il y a un peu de tout, hein, parce que vous savez, quand on n'a pas l'attention qu'on mérite en tant qu'enfant, en fait, c'est tout à la fois, hein. C'est du rejet, de l'abandon, c'est une profonde blessure qu'on garde en soi à tout jamais, avec laquelle il faut apprendre à vivre. Et là, c'est quelqu'un qui en a fait une force de l'extérieur, parce que c'est une personne qui. Ne lâche rien, je pense, mais au-delà des limites, au-delà de ses propres limites, et qui s'est perdu dans cette compétition à avoir le premier rôle dans une famille, dans une communauté, pour ne plus jamais manquer d'attention. Mais cette attention n'est pas forcément la bonne, justement, parce que quand on se positionne comme ça, en fait, c'est un peu comme forcer les autres à vous aimer. Il y a quelque chose de très ouais, quelqu'un qui c'est quelqu'un qui ne fait pas attention à la tournure que les choses prennent dans sa vie là. Et notamment que cette personne est en train de vraiment de s'oublier complètement, ouais, de passer derrière cette espèce de course en avant pour être le premier de la classe. Je sais pas pourquoi on me dit ça. C'est quelqu'un qui a pu, du coup, quand j'ai des expressions comme ça, on me le montre tellement clairement,
qui peut souffrir ou qui a pu souffrir de complexes par rapport, vous savez, ben justement ça, par rapport à l'éducation ou aux études ou une personne qu'on a mis de côté et qui aujourd'hui, enfin qui a fait de toute sa vie comme une grande vengeance, revanche sur tout ça. Au point de... Oui, d'oublier de vivre en fait, d'oublier de vivre tout court, d'oublier d'être heureux en fait. C'est ça. Et là, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui est attiré. Une personne qui est attirée par les énergies que vous dégagez. Les énergies de bonheur, de douceur, d'équilibre, d'harmonie que vous dégagez. De toute façon, le positif attire le positif. Donc, cette personne, si elle est attirée par vous, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif en elle ou en lui qui ne demande qu'à grandir, à se développer, à croître. Et regardez, là, c'est bien ça dont il est question, de croissance, d'expansion, d'éclosion, mais magique. Vraiment, c'est une grande chance. Quand on nous parle des énergies féeriques, il y a bien, la dernière guidance s'est terminée par le miracle. Et là, quand on dit qu'une fée s'est penchée sur le berceau de quelqu'un, c'est une bénédiction. Ça veut dire que cette personne, vraiment, peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a pas une malédiction, non, c'est pas ça, mais une grosse épreuve, un sacré défi, on me dit, à relever pour ensuite vivre heureux, dans le bonheur, comme dans les contes de fées. Il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. En tous les cas, là, il n'y a aucun doute sur ces messages. Par rapport au 17, à l'heure miroir 17h17, et à la carte du tarot, l'étoile, on nous parle d'une très grande protection sur ce lien, sur cette relation, quel que soit ce que vous vivez actuellement par rapport à cette histoire. Hein. Il y a un passé, ça c'est clair, je le vois. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, beaucoup. L'étoile vous dit, comme les énergies féeriques, que vous allez vous retrouver et triompher des jalousies. Là, il y a un pouvoir magique hein, qui est mis à votre disposition pour vous permettre d'aller vers le bonheur de manière individuelle et de toute façon quand vous serez retrouvés. Il y a une mise en lumière. C'est vraiment l'avertissement que cette personne va vivre. On m'a dit, va l'illuminer. C'est ça. Illuminer son cœur. Frapper son cœur. Alors ça peut être beaucoup de choses, un avertissement, parce qu'en fonction de nos personnalités, vous savez, hein, on a des événements comme ça où on ne sait pas pourquoi, même un petit truc, ça va nous pousser à nous remettre en question profondément. Sans trop savoir pour quelle raison, mais l'univers fait bien les choses. Hein. La vie fait bien les choses et pour certains, ça va être en rapport avec la santé. Pour d'autres, ça peut être complètement autre chose. Ça peut être un truc voilà, qui... Mais vous saurez au moment où ça va se passer qu'au-dessus, on vous avertit
de quelque chose, que vous n'êtes pas sur la bonne route, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas ce que vous dicte votre cœur. Parce que là, on parle d'un lien spirituel extrêmement puissant entre deux personnes, mais également de deux personnes qui sont bien connectées hein, avec les mondes invisibles. Hein. Il y a de la magie dans l'air, là, entre vous. Comme si ce qu'on me montre, c'est que les événements sont en train de se dérouler, peut-être d'une manière pas agréable avec cette notion d'avertissement, mais il faut savoir voir le bon côté des choses, même quand on a des choses qui sont désagréables. On ne me parle pas de choses graves, mais de choses désagréables et surtout de choses qui font suffisamment peur pour que des remises en question soient déclenchées. Peut-être qu'elle n'aurait pas fait peur il y a quelques années ou autre parce qu'on n'était pas prêt, mais là, ces synchronicités, ces signes, ces événements qui seront comme des avertissements. D'un côté, on vous pousse dans une situation où vous devrez confirmer votre choix de vie. Vous le confirmez à vous-même et en même temps, vous le confirmez à vos guides. De l'autre, dans les deux cas, on parle de choix de vie, de chemin de vie. Dans les deux cas, hein, mais d'une manière différente. De l'autre côté, c'est une personne qui est averti qu'il ou elle n'est pas sur la bonne route. C'est vraiment trop beau de commencer. Alors, je sais pas si vous voyez, on est l'énergie féerique. On nous parle d'une voilà, d'une expansion. De quelque chose qui a été longtemps stagnant et qui va comme par magie s'ouvrir, renaître. Et là on parle bien d'un lien, hein, d'une connexion, hein, c'est très très clair. Hein. Je me demande quand est-ce qu'est la prochaine pleine lune. Il faudra que je regarde. Allez, on va continuer. Très très beau, mais vraiment il est très beau cet oracle. Il y a de la magie autour de vous là. Vous allez avoir l'impression que les événements vont se précipiter comme par magie pour vous permettre de vous retrouver mais d'une manière complètement inattendue. Et surtout, parce qu'on n'arrête pas de me le répéter, de triompher des jalousies. C'est une grande chance, hein, le lien que vous avez. Ce qu'on m'explique, c'est que cette connexion est une grande chance. Et que cette connexion existe. Il y a une notion de projet commun. De faire... on n'arrête pas de me répéter, cette connexion existe pour quelque chose. Pour quelque chose. Alors bien sûr, il y a la notion de relation sentimentale, mais c'est bien au-dessus de ça. En fait, dont on parle, c'est... Un projet qui compte, on me dit. Un projet... Je ne sais pas, il y a quelque chose. Ce lien est là pour quelque chose au-delà de vous rassembler. Parce que vous êtes destinés. Vous êtes destinés. Hein. C'est ce qui... Là, c'est quand on parle comme ça d'un... Vous savez, c'est vraiment l'idée
que dès votre naissance, vous étiez sur cette route qui vous mène à l'autre. Il y a ça. Et quand vous vous en éloignez, eh bien, vos fées, vos guides vous ramènent sur le bon chemin. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Je pense que là, c'est des longs parcours pour les personnes qui seront sur des parcours de flammes jumelles. Il y a une notion de... d'une relation qui dure depuis très longtemps. Ça, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ce message-là, il est uniquement... En tous les cas, il donne une précision sur les personnes qui ont identifié qu'elles étaient sur des liens d'âme, des parcours de flammes jumelles. Donc, relation qui dure depuis très longtemps, où vous allez réaliser que vous aviez des liens sans forcément vous connaître depuis très longtemps. Des personnes, des points en commun, des choses, vraiment des synchronicités qui vont vous montrer que vous êtes liés d'une manière ou d'une autre depuis très longtemps. Donc soit c'est vraiment le cas, vous étiez en relation avec cette personne, la relation a pu évoluer de plein de manières possibles jusqu'à maintenant, voilà. Soit vous allez avoir tous ces signes, ces indices qui vous montrent que vous étiez reliés par plusieurs choses depuis très très longtemps. Jamais très loin, vous alliez au même endroit, plein de synchronicités comme ça. Et pas des petites, hein, pas des synchronicités, parce que si vous saviez vraiment, et merci à vous de me témoigner tout ça, c'est toujours des trucs incroyables, hein, des trucs qui sont indiscutables, des personnes qui réalisent qu'elles allaient systématiquement au même endroit et qui en parlent ensemble 30 ans après, des choses comme ça. Là, on parle de synchronicité de ce type-là. Mais précisément aux mêmes endroits, par exemple. Hein, où... ouais. Et en plus, très très souvent, ce sont des endroits qui ont des dimensions spirituelles, ou des côtés mystiques, ou un lien avec ça. C'est absolument incroyable. Et là, il y a beaucoup de magie autour de vous. Parce que cette connexion est là pour quelque chose. Alors ça, je pense que vous allez comprendre. Cette connexion est là pour quelque chose et je sais très bien, là, quand on me dit que ça ne veut pas dire, c'est pas former un couple, c'est une chose, mais là, il y a autre chose à construire. Il y a un engagement, une fondation, quelque chose à construire, oui. Peut-être une fondation, alors une vraie, hein, une fondation, c'est possible vu que j'ai le mot, mais ça peut parfaitement être vraiment construire, fonder, soit fonder une famille, soit créer une entreprise, soit fonder quelque chose ensemble, mais qui a vraiment ce projet réussira grâce à cette connexion. Et c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique, ce projet, au-delà de votre simple relation qui, pour le coup, là, est mise à un niveau inférieur. Ça compte encore plus cette mission commune. Ouais, c'est ça. Magnifique. Vérité, révélation et autorité divine. Ouh là là. Ben ouais. Je vous parlais de clairement, c'est fou. Merci beaucoup mes guides, comme vous le savez, comme la plupart du temps on a les messages et les cartes nous aident à préciser, compléter, aller un peu plus loin. Et donc là vraiment on me parle d'une personne qui va vivre un avertissement, qui va avoir l'effet d'une illumination sur cette personne. Vraiment ça va être quelque chose de pas agréable à vivre, hein, je pense, mais d'indispensable, hein. Ce que me disent mes guides, là, c'est indispensable, parce que c'est quelqu'un qui persiste
C'est très étonnant parce que, pardon, j'ai fait bouger le téléphone, qui persiste dans la mauvaise direction et qui, même sans doute, fait des tentatives pour vous faire revenir dans son passé. Non, c'est pas ça. Des tentatives indirectes pour vous faire revenir peut-être dans sa vie, sans vous dire comment, mais en essayant de manigancer des choses. Et pour vous, ce serait, voilà, ce serait le passé et la régression. C'est peut-être là, du coup, le test qui va vous être, pour certains d'entre vous, que vous allez, auquel vous allez faire face dans les jours ou les semaines qui viennent, pour vous confirmer à vous-même votre choix de vie. Et c'est en lien direct avec votre mission d'âme, évidemment. Mission divine. D'accord. Donc je pense que cette personne qui fait des tentatives comme ça, d'essayer de vous ramener, on parle de manigance, comme si c'était quelqu'un qui a joué de ses relations pour avoir des informations sur vous, ou l'inverse, hein, mais il n'y a rien de négatif, hein, là-dedans. Mais c'est juste que... Oui, c'est, on parle toujours de ce côté régressif. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, tenterait de vous faire revenir dans un monde dont vous avez souhaité vous éloigner. Et c'était pas... Eh oui, mes guides me disent que ce n'est pas un caprice. C'est un choix de vie. Et cette personne est extrêmement interpellée par ce choix de vie. Ah, j'ai les messages qui vont trop vite là. Ce choix de vie, mais, et oui, et là c'est pas une bonne idée, hein, d'essayer de vous faire, de vous ramener dans son monde qui pour vous est celui du passé. Et on me dit c'est l'heure du choix, mais c'est pas pour vous. C'est pour cette personne. Cet avertissement, en fait, c'est comme si c'était l'heure du choix. Parce que cette personne, elle est comme... C'est très étonnant. On montre quelqu'un qui est dans sa vie en regardant ailleurs, en regardant à l'opposé. Et l'opposé où cette personne regarde, c'est là où il y a la lumière. Et là où il y a la lumière, c'est vous. Et qui se maintient dans cette... dans ce monde dans lequel il vit, dans cette vie qui pour vous fait partie du passé, quelque chose de régressif en tout. C'est pas que c'est régressif réellement, mais ça a cette connotation de votre côté et ça peut se comprendre. Et donc cette personne qui regarde à côté de sa vie, qui regarde du côté de la lumière, du côté du positif, parce que vous l'attirez pour ça, en même temps manigance pour essayer de vous faire revenir dans ce monde-là. C'est complètement contradictoire et surtout ça ne plaît pas du tout voilà, à la source, ça. Évidemment. Non, bien sûr que non, parce que ça n'a rien de... La manigance, c'est pas... En soi, là, il n'y a pas d'intention négative. C'est parce que cette personne, elle cherche à attirer votre attention ou à vous ramener à proximité de, je sais pas, c'est... Vous avez dû mettre beaucoup de distance. Et c'est quelqu'un qui ne le supporte plus. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est cette personne qui a toujours essayé là, d'être le premier de la classe et de dominer la situation pour ne plus jamais manquer d'attention, même si aujourd'hui c'est quelqu'un qui sait que cette attention, elle ne vient pas du cœur, c'est-à-dire que ces personnes, d'une certaine manière, il ou elle les force.
par le pouvoir, la puissance à être attentive à cette personne. C'est comme une revanche. Sauf que, ben voilà, il n'y a pas d'amour là-dedans. Il n'y a pas d'amour. Et quand on s'oublie comme ça dans les manigances, dans les revanches, dans les convies, en étant dominé, mené par tout ça, on se perd. Et cette personne, elle va avoir un avertissement sérieux de la source. On parle d'autorité divine. C'est pas pour rien et c'est bien en rapport avec l'avertissement. Et quand on parle du secret, c'est-à-dire que oui, c'est quelqu'un qui va être illuminé là. Cet avertissement va avoir un effet. C'est révélateur. De toute façon, on nous parle bien de révélation là. En fait, c'est comme si c'était quelqu'un qui allait comprendre grâce à cet avertissement, qu'il n'a pas toute la vie devant lui, on l'a jamais, on ne sait jamais, que chaque instant est précieux, qu'il va comprendre qu'il ou elle a complètement oublié ça. C'est comme, je vois quelqu'un qui est sous le choc et qui se réveille et qui est fou de joie de se réveiller, de se rendre compte qu'il ou elle est en vie. Et qui se réveille en ayant une forme de révélation, une révélation que, en fait, toute cette compétition à vouloir être au top, le premier de la classe, pas forcément dans toutes les situations, mais par rapport à un entourage, à une famille, une communauté, une espèce de oui, voilà. Parce que de toute façon, voilà, c'est une quête qui est inutile en fait. Et donc, c'est quelqu'un qui va se rendre compte, et puis surtout, cette personne va réaliser qu'il ou elle n'est pas heureux dans cette espèce de compétition et qu'au final la seule chose qui gagne toujours à la fin, c'est l'amour véritable. Et donc voilà, dans le sens où rien d'autre n'est plus d'important, n'est plus essentiel que d'avoir, de vivre dans l'amour. Et en fait, c'est pour ça que je ressens quelqu'un qui est attiré, qui n'arrive pas à regarder ailleurs que dans votre direction. Tout en restant, c'est fou, j'ai une personne, je vois cette personne, qui ne bouge pas, qui reste là où il est, où elle est, et qui a le regard, mais complètement fixé sur vous, comme s'il y avait voilà, des gens en face de cette personne, et qu'en même temps cette personne elle ne les regarde pas, elle regarde que dans la direction de la lumière, c'est-à-dire vous. Et comment on fait pour agir en étant comme ça? Forcément il y a un moment où ça va plus, hein, où ça va plus du tout. Alors l'autorité divine, c'est pas rien. C'est bien l'heure du choix, c'est ce qu'on me dit. Et là, cet avertissement, il va poser cette personne face à son choix de vie. Et on lui montre le chemin. On lui montre le chemin de la lumière, là. Et vous êtes guidé pour lui montrer, en fait, sans forcément le savoir. Ça, c'est impressionnant aussi, hein, les actes manqués. Là, pour le coup,
Ce n'est pas des rendez-vous manqués, c'est vraiment des actes manqués. C'est-à-dire que vous allez comprendre dans le temps et d'une manière magique. Il y a vraiment beaucoup de magie autour de tout ça, que certaines paroles, certains gestes, que ce soit, et là c'est très souvent, vraiment, c'est très marqué dans les parcours de flammes jumelles. Tout a un sens, tout compte. Et pour beaucoup, vous allez faire des choses ou dire des choses sans même vous en rappeler, qui vont avoir des conséquences, peut-être pas dans l'immédiat agréables, mais ensuite incroyables. Vous verrez que tout se construit dans le temps pour vous ramener sur votre chemin, votre mission de vie. Et évidemment, si c'est ce qui est prévu, à vous retrouver dans cette vie-là. Quand les synchronicités s'accélèrent, c'est toujours un signe de proximité, de choses qui vont se concrétiser dans la matière. C'est vraiment ce que j'ai observé jusqu'à maintenant. Ça va être une illumination pour cette personne, cet avertissement, mais c'est un avertissement sérieux. Elles sont vraiment très très belles ces cartes. On va les mettre là, on va les mettre avec l'étoile, merci Niki, parce que c'est ce qui m'est demandé. Il y a une grande puissance chez cette personne qui doit être mise au service de l'amour, mes guides me disent. C'est-à-dire que c'est comme se tromper de loyauté, se tromper de chemin. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui est resté loyal à un camp. Mais là, ça devient presque torture, on dit, dans le sens où cette personne s'est tellement oubliée que oui, j'ai quelqu'un qui sait plus trop qui il est par moment. Regardez comme cette carte est puissante. Il y a bien une notion de chance, d'un avertissement qui est un véritable coup de chance, de la même manière que cette confirmation qu'on va vous demander de vous faire à vous-même sur à quel point votre mission de vie, mission d'âme, passe avant toute autre considération. Je parle bien si c'est par rapport à des choix de vie, par exemple matériel ou professionnel, que bien sûr vous allez prendre compte de tout le reste pour que. Voilà, parce qu'on a des obligations, hein, bien entendu, dans notre réalité, de faire en sorte que de ne manquer de rien, etc. Mais tout ça, ça doit rester au niveau où ça doit rester. Et la priorité sera toujours l'amour, votre mission de vie, votre famille et l'essentiel. Finalement, de toute manière, tout ça est régi par l'amour. Parce que votre mission de vie, votre mission d'âme, n'est question que de ça. Votre famille également. Donc, c'est ça. Hein. Ça va vous amener à reconfirmer encore plus fortement cet engagement. Ce test, ces informations qui vont arriver à vous. Donc, comme on nous l'a donné là pour certains, ça va être des choses qui vont vous ramener à ce passé que vous avez eu avec la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, qui pourrait vous donner l'espace d'un instant, l'envie d'y retourner, ou vous mettre dans les doutes, mais ça ne durera qu'un instant parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus fort et forte, vous savez qui vous êtes, vous savez parfaitement ce que vous ne voulez plus. Pas encore forcément tout ce que vous voulez,
Mais vous savez ce que vous voulez dans l'instant et vous savez que ça n'a pas de limite et que oui, par rapport à ça, c'est vraiment l'idée de que parfois quand on fait des choix comme cela, on prend le risque de ne pas trop savoir comment on sera l'avenir. Mais ça n'a pas d'importance parce que vous en êtes remis à l'univers et votre foi n'a pas de limite et vous savez que vous êtes sur la bonne route. Donc là, gardez, vraiment, on nous parle de confiance, vous pouvez être en totale confiance, vous êtes plus que protégé et guidé. Et donc cet événement ou ces informations ne fera que vous amener à vous confirmer tout ça. Et si vous aviez encore des doutes, bah justement, il n'y en aura plus du tout, voire plus jamais. Mais il y a une idée d'une personne qui manigance aussi. Donc, je pense que vous êtes en train de provoquer chacun des situations dans la vie de l'autre. Je dirais que c'est plutôt cette personne qui, en manigançant de cette manière-là, ne fera que renforcer votre choix, vos convictions, parce que c'est votre cœur qui a fait ce choix. Mais en retour, hein, ça ne va pas plaire. Il y a quelque chose qui, il y a l'autorité divine qui va intervenir parce que cette personne qui essaie de vous déstabiliser, de vous ramener vers le passé, parce que vous lui manquez énormément en fait. Et qu'il ne, il ou elle ne regarde que dans votre direction tout en étant planté. Je vois quelqu'un qui est planté au milieu de plein de gens, qu'il ou elle devrait regarder et en fait qui regarde de l'autre côté. Presque à son tour, à son. Dévisser la tête. Et c'est très. Je crois pas avoir déjà eu un flash comme ça. Et donc, comme si il ou elle était complètement. Je trouve que c'est une personne qui se pose, qui s'est tellement perdue dans cette loyauté qu'il ne se pose même pas la question. En fait, c'est même pas envisageable. Autre chose. Donc, du coup, comme ça n'est pas envisageable autre chose pour lui ou elle, qu'en plus il y a une histoire de triangulaire, mais bon, voilà, on verra bien pourquoi. Eh bien, et que vous manquez trop à cette personne, que vous avez mis trop de distance avec cette personne, et qu'il ou elle ne le supporte plus, eh bien, la seule chose que cette personne tente de faire, c'est de manigancer pour avoir des informations sur vous, ou vous ramener d'une manière directe ou non dans ce monde-là, dans lequel il ou elle n'est absolument pas heureux. Et là, eh bien, il va y avoir une autorité divine qui va intervenir. Et c'est bien l'avertissement qui sera sérieux et qui va amener cette personne à une forme d'illumination. On m'a vraiment parlé d'illumination, d'être comme frappé en plein cœur, mais là c'est pas physique, hein, on parle pas de santé, mais d'être frappé en plein cœur au point que la vérité s'impose, la vérité de sa vie, dans la vie. Mais c'est avant tout une personne qui va. Je vois quelqu'un qui se réveille en étant heureux, heureuse d'être en vie. Donc, et c'est une grande chance, cet avertissement. Et c'est quelqu'un qui a dépassé les limites, qui a dépassé les limites avec vous, mais en étant persuadé d'être dans, de faire ce qu'il faut. Par loyauté par rapport à un camp, à une famille. Donc, il n'y a pas de jugement parce que c'est quelqu'un qui est convaincu que les sacrifices, il ou elle n'a pas le choix en fait de les faire. Là, on est dans des schémas de pensée très limitants, imposés même pratiquement. Mais c'est cette personne, elle va comprendre elle s'est mise toute seule ses propres limites. Parce que c'est elle-même, face à ses blessures, qui a créé tout ce fonctionnement, qui s'est comme ça construit une espèce de carapace et qui a tout fait pour
avoir le pouvoir sur des personnes, toutes celles qui auraient pu représenter un environnement, un contexte familial qui, par le passé, des gens qui l'ont mis de côté, qui l'ont dévalorisé ou qui l'ont presque, c'est pareil, l'abandon, rejeté. Et c'est une revanche. Il y a une revanche, une vengeance presque, hein. Voire il y a de la colère, hein, chez cette personne par rapport à cet entourage, hein. De la colère étouffée, on me dit. Ça, c'est très mauvais. La colère étouffée, c'est très mauvais parce que ça vous bouffe de l'intérieur. Et vous manquez cruellement à cette personne. Vous étiez son énergie positive, quel que soit le rôle que vous aviez. Ouais, parce que là, on insiste sur le passé. Hein. Que vous aviez. On insiste sur le passé, on insiste sur le fait qu'il y a une grande distance mise entre vous et qu'elle a été mise par vous, ou l'inverse, hein, vous savez, vous positionnez dans l'histoire, c'est vous qui voyez. Et c'est étonnant parce que je pense que vous avez tenté à un moment donné de mettre fin à cette distance. Mais cette personne n'a pas su saisir sa chance. Et c'est pour ça, là, c'est quelqu'un qui manigance. Il y a vraiment une histoire de jalousie, là, de trucs de triangulaire. C'est comme si je ressentais que cette personne, c'est peut-être quelque chose qu'il ou elle a toujours fait, c'est-à-dire vous maintenir autour, pas loin, mais pas trop près non plus, à cause de cet entourage jaloux, toxique, blessant. Mais assez près quand même pour pouvoir, eh bien oui, c'est ça, être t'es quelqu'un qui a besoin. Hein. Et vous en aviez besoin également avant. Aujourd'hui, je ressens que vous êtes dans le lâcher-prise. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous manque pas parce qu'on me dit qu'elle a beaucoup ou il a beaucoup, beaucoup compté pour vous. C'est bien le cas. Mais vous avez travaillé sur vous pour sortir de cette dépendance. Et vous avez fait le choix de le faire quasiment du jour au lendemain, je pense. Même si ça a dû être, ben, c'est jamais facile, hein, mais il faut savoir trancher, hein, trancher vraiment. Et là, on me parle bien, c'est l'heure du choix là pour cette personne, c'est-à-dire que vous avez fait ce choix, vous avez tranché malgré le manque, c'est la peur du manque, oui, c'est ça. Et vous avez appris, je pense que le manque terrible, parce que là d'un coup, c'est arrivé d'un coup, vous l'avez vécu aussi. Ça peut-être, ça vous arrive encore parfois, mais d'une manière qui n'est plus la même parce que vous êtes dans le lâcher prise. Dans le lâcher prise et dans l'amour inconditionnel. Ou évidemment, vous êtes pas loin de ça. Ce qui fait que c'est ça le grand secret, hein, aussi. C'est ça la force par-dessus tout, qui dépasse tout. C'est celle de l'amour inconditionnel. Et cette personne, elle le ressent. C'est quelqu'un qui sent que vous n'êtes pas dans la colère, vous n'êtes plus, que peut-être vous l'avez été. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a cru que vous l'étiez encore quand vous avez tenté de mettre fin à la distance entre vous. Alors, peut-être vous l'étiez encore un peu à cause de cet entourage qui est guidé, gouverné par la jalousie, cet entourage envers lequel votre autre et vous-même sans doute aussi par le passé avez été si loyal au point de dépasser toutes les limites. Et oui, et toutes, en fait,
tout ce qui se passe dans votre vie, là, il y a une forme de magie parce qu'on va vous montrer que cette loyauté sans limite, alors vous, vous le savez déjà clairement, mais cette autre personne qui est dans votre cœur, bien va l'apprendre également. Une loyauté sans limite comme celle-ci, devient toxique. Là, il n'y a plus le côté positif de la loyauté quand on ne pose pas des limites. Oui, mes guides me disent en revanche, vos cœurs sont restés fidèles, cette personne vous est fidèle dans son cœur et vous également. Parce que là, il y a quelque chose qu'on me montre, c'est que l'autorité divine intervient parce que il y a un troisième chemin de lumière, c'est-à-dire que vous êtes sur votre mission de vie, votre chemin de lumière, cette personne n'est pas sur le bon chemin et pour le moment, jusqu'à cet avertissement, persiste, mais va avoir une forme d'illumination tellement puissante que il ou elle va comprendre que c'est l'amour qui gagne toujours à la fin et que perdre du temps sur quoi que ce soit d'autre, c'est laisser sa vie comme ça s'échapper. C'est ça, hein. Vraiment c'est ça, hein. Parce que c'est comme si cette personne avait oublié qu'il ou était en vie, que sa vie comptait, que sa vie avait de la valeur. On parle bien d'amour inconditionnel pour soi-même en fait. C'est-à-dire que voilà, s'oublier complètement dans la loyauté par rapport à un camp, dans une fuite à la compétition pour être toujours au top dans cette espèce dans une communauté pour ne plus jamais manquer d'une attention, mais d'une attention qui ne rend pas heureux en fait, qui n'est qu'un simulacre, on dit. C'est voilà, donc les simulacres, les faux semblants, les trucs, ça va un temps quoi, puis après après, ça commence à être un peu désagréable et jusqu'à ce que ça devienne catastrophique, quoi. Et donc, on me montre qu'il y a une troisième. C'est comme si vos deux chemins, chacun doit être positionné sur son chemin de lumière, de vie, sa mission. Et là, il y a un point de jonction qui vous attend. Et c'est comme si vous étiez juste à l'entrée de cette porte de lumière, de ce point de jonction, et que vous attendiez que l'autre vous rejoigne. Sans forcément en avoir conscience, hein, d'ailleurs. Et vous êtes destiné à vous rejoindre pour avancer vers cette porte de lumière ensemble. Et donc, la source avec autorité intervient quand, avec des synchronicités pour que tout se déroule au mieux, hein, de toute façon. C'est une grande chance, là. Il va y avoir beaucoup de choses où vous allez vous dire dans votre vie, oh là là, mais ça s'est passé comme par magie. C'est ça qu'on montre. On s'est retrouvé comme par magie. Et en secret, dans le sens où c'est pas que... Il y a vraiment une triangulaire et un entourage où la jalousie domine. Et là, c'est plutôt... C'est pas forcément secret, c'est discret. C'est en toute discrétion. Oui, c'est plutôt ça. Eh bien, malheureusement, je vais devoir interrompre la guidance. Je suis désolée. Je vais continuer
dans quelques secondes, mais là je suis obligée d'arrêter la vidéo. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je reviens tout de suite. De toute façon, sur YouTube, vous aurez la suite. Je mettrai les vidéos vraiment l'une à la suite de l'autre, mais là, j'ai pas le choix. À tout de suite, merci.